Écoutez tous, on est ici pour notre premier voyage de camping. On dormira sous les tentes, nous verrons la nature, on rôtira les chamallows au feu du camp. C'est excitant, mais il faut faire attention et, le plus important, écoutez ce que Madame Jasmine et moi vous demandent. Madame! Quand on est dans la nature, il faut faire attention. Scout Caillou, pourquoi faut-il être sur ses gardes dans la nature? Ainsi on peut être prudent et s'amuser. C'est ça. Bon, d'abord, il faut tous monter les tentes. Suivez-moi, Scout. Devoir dormir dehors. T'inquiète pas, Caillou. Camper ici, c'est super. On peut rôtir des chamallows autour du feu. Oh, et quand la nuit tombe... C'est bien ça, Clem. Je n'aime pas la nuit. Ça fait peur. Et je n'ai pas ma veilleuse ici. La nuit ne fait pas peur. C'est ce qu'il y a de mieux. Quand la nuit tombe, on peut observer et voir chacune des étoiles. Chaque étoile? Clémentine? Que se passe-t-il? Ça va aller? Maman! Oh! Tout va bien, chérie. Je l'ai eu. C'est juste une coccinelle, Clem. C'est pas grave. Merci de me sauver, maman. Je veux dire, Madame Jasmine. C'est pas grave, Clémentine. T'as eu peur. Tu n'aimes pas les bestioles. Tu as peur des coccinelles? On a tous peur de quelque chose, Caillou. Regarde! Oh, wow! Elles sont tellement nombreuses! Lucioles sont merveilleuses. Attends, c'est des bestioles. T'en fais pas, Clem. Elles te feront pas de mal. Elles volent comme des petites lumières vives. Ah, oui, elles sont assez agréables à regarder. Hé, elles feraient des bonnes veilleuses de nuit, n'est-ce pas? Bonne nuit, Clémentine. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit. Bonne nuit. Eh bien, bonne nuit, vous tous. Allons dormir, s'il vous plaît.
par ici, s'il vous plaît. Je ne veux pas un nouveau restaurant, papa. Je veux aller à un autre. Crois-moi, Caillou. Tu vas aimer celui-ci. Mmh. Regarde. Oh. 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 À ceux qui savent attendre. Je crois pas que je peux attendre, papa. Oh. Oh. Hé, vous m'oubliez? Je veux... Oh. Bon prix, Caillou. C'est bon, mais j'ai encore faim. Tout vient à ceux qui savent attendre. Attends, Caillou, c'est... Oh, épicé! C'est très, très épicé! Rouge! Tiens, bois un peu d'eau. Ma langue est en feu, là! C'est du wasabi, Caillou. On doit seulement en prendre un tout petit peu. Ceci va te soulager. Je ne veux rien d'autre de nouveau. Ça a l'air délicieux. Miam, miam. Eh bien, non. C'est délicieux, Caillou. Goûte-en un peu. Je te promets qu'il n'y a pas d'épices. Tu ne sais pas si tu l'aimeras avant de le goûter. Y a-t-il un menu enfant? Il n'y en a pas, mais je peux faire quelque chose juste pour toi. Quel est ton plat préféré? Oh, pouvez-vous faire du fromage grillé? Un peu de ceci et... C'est pas du fromage grillé. Tu es sûr? Fromage? Peux-tu me renvoyer les grues, s'il te plaît? Je peux pas juste les manger. J'ai vraiment faim. Oh, oh, oh. Tout vient à ceux qui savent attendre. Mais... Je te promets que ce sera le meilleur fromage grillé que t'as jamais eu. Oh! Incroyable! Wow! Ça ira, Mousseline? Oh, oh! Désolée, Mousseline, je me suis emportée. Oh? Regarde! Oh? Hein? Mais c'est quoi? Votre fromage grillé, monsieur. Miam, miam. C'est délicieux. Mais c'est bien sûr, parce que les bonnes choses arrivent à ceux qui... Attends. Oh. Oh.
Veux-tu goûter au mien, Caillou? Mais je l'aimais. Tu ne le sauras pas avant de le goûter. C'est un tempura. Voudrais-tu de mon poisson? Que veux-tu essayer d'autre? Le velcro. Ça vient tout de suite. Écoutez tous, je sais qu'on est tous excités aujourd'hui parce que c'est journée costumée. Rappelez-vous, la seule règle du déguisement, c'est de porter quelque chose qui vous fait plaisir. C'est ça. Eh bien, qu'attendez-vous tous? Go! Choisis quelque chose pour qu'on puisse jouer. Je ne suis pas sûre. Commencez, je vous rejoindrai. Je suis une fée guerrière. Waouh! Trop bien! Tous les autres costumes étaient pris? Non, j'aime bien celui-ci. La magie, c'est génial. Mais la fée, c'est un costume de fille. Mais pas du tout. Si, ça l'est. Salut! Pourquoi? C'est juste ce que je voulais porter. Tu pourrais être un viking. Ou un pirate. Ou un... Non! Oh. Jeffrey a perdu sa baguette. Ça n'était pas très gentil. On lui a juste dit que c'était un costume de fille. Pour qu'on puisse l'aider à choisir le bon. Ah. Souvenez-vous de ce que Mademoiselle Martin a dit. La seule règle du déguisement, c'est porter quelque chose qui vous fait plaisir. Il avait l'air d'avoir du plaisir. Et Jeffrey, tu as laissé tomber ta baguette magique. J'en veux pas. Mais t'en as besoin pour battre les ninjas. Et tu as besoin de tes ailes pour voler. Ta fée guerrière était vraiment bien. La magie, c'est ce qu'il y a de mieux.
désolée pour ce que j'ai dit de ton costume, Geoffrey. Porte vraiment ce que tu veux. Et si ça te fait plaisir, alors c'est parfait pour le jour costumé. Où ta baguette magique? On est prêt pour la foire, maman. Je veux monter sur les sièges toupies. Ça donne trop le vertige. Oh, je ne pense pas qu'on puisse y aller aujourd'hui. Maman ne se sent pas bien. Mais... Foire? Je suis désolée pour vous. Tu ne peux vraiment pas nous amener, papa. Désolée, je dois travailler. Si on aide maman à se sentir mieux, on ira peut-être à la foire. Oh, c'est quoi? Docteur Caillou et infirmière Mousseline sont là pour te soigner, maman. Soigner? Je vois. J'ai de la chance. La patiente maman est prête. Terminé. Oh! Ça a l'air chaud! Oh! C'est... jus d'orange! Vitamine C! Ordre de Docteur Caillou. Très intéressant! Bandage, infirmière Mousseline. Teddy, c'est bien. On veut 100 câlins de Teddy, Mousseline. Oh, bien sûr. Kili, un câlin. Deux, Kili. Trois, câlin. Quatre, 97, 98, 99, et enfin, 100. Oh, je suis debout. Très bien, Mousseline. Et Teddy? Toi, maman, tu te reposes et je vais parler à l'infirmière dehors. Oh, ça a l'air d'être une bonne idée. Oh. Maman, pas mieux? Non, il faut appeler un... Il nous faut de l'aide. Qui peut nous aider? Papa! Oh! Infirmier papa! Répondez, infirmier papa! Code jaune vif! Code jaune vif! Terminé! Désolé, Caillou. Papa travaille. Mais moi et l'infirmière avons besoin de vous! Et maman! Et maman! Terminé! Infirmier papa arrive de suite. Hein? Quoi? C'est ce que je pensais. C'est quoi, infirmier papa?
Maman a un sérieux cas de... renifle du pif. On a besoin de mouchoirs. Plein et plein de mouchoirs. Bon, merci. C'est assez. Oh, merci pour votre aide aujourd'hui. Désolée qu'on n'ait pas été à la foire. Mais vous deux... Oh, la foire! On s'est tellement amusés qu'on a tout oublié. Tant pis. Nous devrions laisser maman se reposer. Juste encore un peu de médecine. On dirait qu'on a un autre patient, Mousseline. Oh oh. 1, 2, 3, 4, suis gentil et plus encore. 1, 2, 4, 4, suis gentil et plus encore. En rang. Oh. Ah, moi d'abord. Non, moi. Vous vous rappelez tous des défis de gentillesse? Madame, madame, oui, madame! Ah. Que voyez-vous sur votre liste? Oh, oh. Sois gentil envers quelqu'un dans ta communauté! Très bien, Clémentine! Oh. Ah. Cherchez des gens qui sont gentils avec les autres! Voilà, c'est ça! Et le dernier? Être gentil envers soi-même. C'est ça! Et celui qui complète sa liste reçoit ce badge. Wow. Bon, allez changer le monde avec gentillesse. Oh. Moi, je vais finir tous ces défis en une minute. Eh bien, je vais les finir en une seconde. Je vais t'aider. Mon genou. Allons voir maman. Tu as bien agi en aidant Mousseline. C'était très gentil à toi. Oh. Sois gentil envers quelqu'un dans ta communauté. Fais. Chercher des gens qui sont gentils avec les autres. J'ai vu plein de gens gentils envers les autres aujourd'hui. Dernier, être gentil envers soi-même. Mais comment faire ça? Miam, un mélange de mes nourritures préférées. Un confit sketti glace sandwich. Délicieuse façon d'être gentil avec moi-même. Peut-être pas. J'aime les fleurs. Je peux être gentille avec moi-même si j'en cueille quelques-unes. Comment ça va, Caillou? J'essaye de finir mes défis pour avoir un badge de gentillesse, mais pour le dernier, je n'y arrive pas.
Ça semble très frustrant. Ouais. J'ai pris une bouffée d'air et regardé des drôles d'oiseaux et je me sens mieux. Hein? Hein? Pourquoi as-tu fait ça? Si assis ici en appréciant la nature t'a fait te sentir mieux, alors c'est un acte de gentillesse. Ah bon? Il y a plein de façons d'être gentil avec toi-même. Prendre une grande respiration pour te calmer quand tu es frustré, ou dessiner quand tu es nerveux, ou bien... Oh! Demander un câlin quand on est triste? Exactement. Merci, papa. C'est toi le meilleur. Bon boulot, Caillou. Toi aussi, Clémentine. Oh. Allez, on se met en rang. Toi d'abord. Non, toi d'abord. Non, toi. Alors, Caillou, quelle action de gentillesse as-tu fait cette semaine? J'ai aidé Mousseline qui est tombée. J'ai vu plein de gens être gentils avec les autres au magasin. Et j'ai été gentille avec moi-même au jardin quand j'étais furieux. Excellent, Caillou. Ça veut dire que tu as gagné ça. Oh! Vous êtes tous des experts en gentillesse maintenant. Souvenez-vous, chaque acte de gentillesse fait toute la différence. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Caillou. Ah. Maman! Maman! Oh! Oh! Quoi, Caillou? Tu as vendu la vache? Ouais, je l'ai échangée pour des haricots. Haricots? Mm-hmm. Ce sont des haricots magiques, maman. Oh, Caillou! Sa mère ne l'a pas cru, mais Caillou savait que les haricots étaient magiques. Il les a plantés dans le jardin. Le jour suivant, la géante tige du haricot a poussé jusque dans les nuages. Alors, Caillou est monté tout en haut pour voir ce qu'il y avait là. Ce qu'il a trouvé en haut de la tige était... un grand, terrible géant! Fifafo! Caillou! 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 Fifafo! Mais c'est quoi tout ce bruit? Tu devais aider Mousseline à s'endormir, Caillou! Désolée, papa. Je vais lire une autre histoire. Très bien. Bonne nuit, vous deux. Bonne nuit. Oui. Alors, c'est l'histoire de... la petite Mousseline rouge. La petite Mousseline rouge a porté un panier de nourriture chez sa grand-mère. Mais en chemin, elle rencontra le grand méchant loup. Méchant loup, va-t'en. Oh non, Mousseline, désolée, je ne voulais pas te faire peur. Laisse-moi trouver une autre histoire. Mousseline Boucle d'Or a trouvé une maison dans les bois. Elle était fatiguée et avait faim. Elle frappa à la porte. La porte était ouverte, mais il n'y avait personne à l'intérieur.
mousseline boucle d'or a trouvé une table avec de délicieuses spaghettis dessus. Le premier bol était trop chaud. Et le deuxième bol, trop froid. Mais le troisième bol était juste bien. Mousseline boucle d'or, très fatiguée, cherche un endroit pour dormir. Elle trouva trois lits. Le premier était bien trop grand et mou. Le deuxième était trop dur. Mais le troisième lit était juste bien. Mais soudain, les trois ours qui vivaient dans la maison sont rentrés. Qui est en train de dormir dans nos lits? Les ours étaient très en colère après Mousseline Boucle d'Or pour dormir dans leur lit. Mais ils décidèrent de la laisser dormir. La fin. Nuit Mousseline. Ensuite, qu'arrive-t-il? Je dois prendre des choses ici d'abord. Wow. Alors, voilà des tomates, laitue, carottes et... Oh! Puis-je avoir cette barre de chocolat, maman? Ça a l'air si délicieux et... On rentre de suite à la maison pour avoir un bon et sain déjeuner, Caillou. Le chocolat n'est pas une bonne idée. Mais je pense que si... Pas de mais, Caillou. Remets-le, s'il te plaît. D'accord. Merci. Bon, où étais-je? Ah, carottes et poivrons et... Pourquoi pas des concombres? Mousseline les aime. Allons-y, Caillou. Votre monnaie et une petite surprise pour toi. Non, merci. Je vais avoir un déjeuner sain. Tu peux le prendre pour plus tard, si tu veux, Caillou. Ça ira. Merci, au revoir. Bon, bah d'accord. Une bonne journée. Tu pourrais peut-être m'aider à préparer le déjeuner, Caillou. Qu'en penses-tu? Je peux couper les carottes. Tu pourrais laver la laitue et les tomates. Puis je mélangerai le tout. Cette barre de chocolat. Elle n'était pas à toi, Caillou. Caillou? Caillou? Hein? J'ai dit, cela te plairait-il? Où est maman? Oui, délicieux. Merci. Comme tu veux.
Phew. Cette barre de chocolat? Je... L'as-tu prise dans la boutique de Monsieur Johnson? Caillou, c'est volé! C'est très mal! Comment as-tu pu faire ça? Je ne voulais pas! J'en avais envie et je sais que je n'aurais pas dû la prendre. Mais personne regardait! S'il te plaît, m'envoie pas en prison! Je suis vraiment désolée! Merci d'avoir dit désolé. Mais ce n'est pas juste à moi qu'il faut s'excuser, Caillou. Je suis vraiment désolée, Monsieur Johnson. Voici l'argent du chocolat que j'ai pris. Je n'aurais jamais dû le prendre. Je suis vraiment déçu, Caillou. Tu as fait un très mauvais choix. Je sais. Je suis vraiment, vraiment désolée. Je te crois. Et j'accepte tes excuses. Seulement, promets-moi de ne plus jamais prendre ce qui ne t'appartient pas. Je promets. Jamais, jamais, jamais. Bien. Rentre chez toi. Ta mère t'a fait un bon et sain déjeuner. Et tu as l'air d'en avoir besoin. Que veux-tu faire, Mousseline? On peut aller sur les montagnes russes. Oui! Aller nager. Plouf! Ou jouer au jeu d'arcade. Quoi, quoi? Non, on fait les canards après. Je pense qu'on devrait... C'est quoi ça? Vite, cachons-nous ici. Nous serons ici à l'abri de Gilbert. Il faut que quelqu'un nous protège. Qui peut nous défendre? Teddy? C'est ça, Teddy. Il nous faut arriver à lui dans le salon. Prête, Mousseline? Prête. Allez. La route. Cours maintenant. J'ai manqué le temps. L'aspirateur, ça va nous aspirer. Caillou, va par là. Non, par ici c'est mieux. Vas-y sans moi. Ça va aller? Oui, maman, ça va. Mais alors, d'où vient ceci? Oh! T'as vu cela, Mousseline? On a vaincu l'aspirateur. Gilbert n'est pas de taille face à nous. Caillou? Il a eu peur d'un aspirateur.
Mais pas moi. Caillou! Il est derrière moi, n'est-ce pas? C'était juste. Cela devrait aller si on ne bouge pas du tout, du tout. Je réfléchis. Gilbert arrive. Qu'est-ce qu'on va faire, Mousseline? Mousseline? C'est ça. On peut monter pour arriver à Teddy. Bonne idée, Mousseline. Mousseline, t'as eu raison toute la journée. C'est vrai, Gilbert déteste l'aspirateur. Vroom, 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 vroom. Désolée, je t'ai pas écouté avant. Tes idées étaient juste tout ce temps. Tu veux jouer encore dans ma chambre? Je promets d'écouter cette fois. On pourrait nourrir les canards. On joue aux canards! Quoi, quoi? Oh!